Allez, on reprend les petites haltères cette fois. Vous aviez mis, bon j'avais dit la droite, mais tout le monde n'a peut-être pas mis la droite. Jambe droite devant, maintenant on vient placer la jambe gauche. Ou en tout cas, vous changez de jambe par rapport à ce que vous avez fait avant. Jambe gauche fléchie, jambe arrière fléchie aussi puisqu'on est en fente arrière. Lorsque nous sommes en bas, les bras sont fléchis. Je rappelle que le talon de la jambe arrière ne touche pas le sol. On est bien en appui sur les orteils. Et soufflez, montez. Sans repasser par l'extension totale. Et 1, 2, 3, 4. Jambes fléchies, 5, 6, 7, 8, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, remontez, on descend, 3, on remonte en 1, les bras ouverts à l'horizontale, 1, 2, 3, remonte, 2, 2, 3, jusqu'en bas, remonte. 3, 2, 3, remonte. 4, 2, 3, remonte. 5, 2, 3, remonte. On ne laisse pas baisser les bras. 2, 3, remonte. 7, 2, 3, remonte. Et 8, 2, 3, remonte. Et on inverse. 1, remontez, 3, 2, 3, 1, 1, 2 et 3, descend, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3 et 8, 1, 2 et 3, on redescend, gardez les haltères en main et on vient faire, oups, on stabilise, pardon, gardez la jambe fléchie devant, la jambe arrière aussi et les orteils de la jambe arrière viennent pousser pour venir créer une translation de l'avant vers l'arrière. Allez, on s'accroche, on tient. On souffle, on respire, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On souffle, on relâche bien les jambes. Hop. Je vais garder les petites haltères. Étant donné que j'ai un petit peu mal à l'épaule, j'allais changer mais au final non. Allez, on enchaîne directement avec le travail de triceps. Donc on vient placer les haltères ici dans le dos. Les coudes sont tout près des oreilles. Les pieds écartés largeur des hanches, pas plus. Bien horizontaux, bien pas horizontaux mais parallèles entre eux, pardon. Et on est parti. Soufflez, on tend les bras et on monte sur pointe de pied. Inspirez, reviens. 1, 2, 3, 4, allez, on stabilise, on pense à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale pour rester gainé. C'est pas parce qu'on travaille les mollets et les bras qu'on ne peut pas travailler les abdos en même temps. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, une mouche qui m'embête, 3, 2, 1, relâchez, une haltère dans chaque main, on vient ouvrir les bras
et fléchir les coudes à 90 degrés, souffle en haut. Allez, 3. Toujours en tirant bien le nombril vers la colonne vertébrale. 5, 6, 7, 8. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Même chose devant. Allez, les bras restent bien fléchis à 90 degrés. Soufflez en fermant. 5, 6, allez, on vient travailler les pecs, 7, 8, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les deux, en haut et devant, 2, soufflez, 3, soufflez, 4, allez, encore. Toujours en tirant bien le nombril vers la colonne vertébrale. On ne relâche pas dans le bas du dos. Si on a la sensation de creuser dans le niveau du dos, pardon, pensez à toujours bien garder le bassin en rétroversion. Allez, encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. Allez, le dernier, 1, et relâchez. Lâchez pas les haltères, on reprend les triceps. Mets bien les haltères, pardon, derrière la nuque. Les coudes sont bien, j'ai la transpiration qui me coule dans les yeux, ça pique. Les coudes sont bien près des oreilles. Pieds écartés, largeur des hanches, pas plus. Élévation sur pointe de pied et extension des bras. 1, 2. Allez, on reste gainé. Donc la sangle abdominale est toujours bien verrouillée. On tire toujours bien le nombril vers la colonne vertébrale. 6, 7, 8. Allez, encore 8. Les coudes restent bien vers le haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Une haltère dans chaque main et on reprend les développés. Allez, soufflez, on s'accroche. On vient bien travailler les épaules. On reste gainé, donc on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Bassin en rétroversion, serrez les fessiers. On pense à bien respirer, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, même chose devant. Allez, soufflez, on ferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5. Allez, les coudes se rapprochent. 4, 3, 2, 1, la combi des deux. Allez, gardez le nombril, toujours tiré vers la colonne vertébrale. On garde les fessiers serrés. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on est à la moitié, ça diminue. Encore 8, 7, 6. Soufflez bien. 5, 4. 3, 2, et 1, et relâchez. Parfait. Alors, on a déjà bien travaillé les jambes avec les squats et les fentes. Pardon, j'y arriverai. Là, on vient bien de renforcer les épaules et les pecs. On prend un petit coup si nécessaire. J'ai une mouche qui me tourne autour. Je crois que ça doit être la transpiration à mon avis, super. On passe cette fois aux fessiers. Et c'est maintenant que si vous avez des lestes de cheville, je vous encourage à les mettre. Faites un petit montage si besoin avec
Vous allez facilement mettre la vidéo sur pause, le temps de faire votre montage. J'ai testé, hein, donc il y a vraiment moyen d'attacher des haltères ou des poids avec un foulard. Hop, on vient bien lester tout ça. Alors, c'est toujours la même jambe qui va travailler, donc on n'alterne pas. On va bien venir faire chauffer les deux fessiers parce qu'il y en a un qui va travailler, l'autre qui va vous stabiliser. Et puis, on changera de jambe. Alors, je vais quand même me mettre sur le tapis. On sait que parfois, le vent fait des petites blagues. Parfait. Alors, on vient légèrement fléchir la jambe gauche. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. Elle est légèrement fléchie. Les mains, vous venez les placer à la taille. Vous avez un petit peu besoin du rôle équilibrationnel des bras, utilisez-les. Mais si vous êtes avec les fessiers bien serrés et le nombril tiré vers la colonne vertébrale, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Donc, poids du corps sur la jambe gauche. Gardez le pied de la jambe droite bien tourné vers l'intérieur. Donc, regardez mon pied. Si vous allez tourner les orteils comme ça vers l'extérieur et que vous faites votre mouvement, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Gardez bien le pied. Limite, forcez-vous, même si vous avez l'impression d'être en canard, c'est pas grave, à vraiment tourner les orteils vers l'intérieur. Et on est parti. Allez, sans reposer le pied au sol, uniquement la pointe de l'orteil si nécessaire. Et 3, serrez les abdos, les fessiers. 4, 5, pied tourné vers l'intérieur, pardon. 7, 8, allez, encore 8, 7, 6, 5, fixez un point au sol pour votre équilibre, 3, 2, 1, hop, c'est moi qui dis ça et je ne stabilise pas, gardez les abdos serrés, même chose, on monte en 3 temps, on redescend, non, et 1, 2, 3, reviens, 2, 2, 3, reviens. 3, 2, 3, reviens. Allez, 4, 2, 3, reviens. Courage. Et 5, 2, 3, reviens. 6, 2, 3, reviens. Jambe d'appui légèrement fléchie. 7, 2, 3, reviens. Et 8, 2, 3, reviens. Et on inverse, toujours avec la jambe d'appui légèrement fléchie. La jambe droite, elle est hors du sol. Vous êtes en équilibre sur une jambe. Levez en un temps et redescend en 3. Et 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, allez, 5, 1, 2 et 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3 et 8, 1, 2 et 3, gardez la jambe gauche fléchie, courage, c'est bientôt fini, toujours le pied vers l'intérieur, élévation à 45 degrés. Donc plus latéral, mais on part vers l'arrière. Visez un angle de 45 degrés. Encore 5, 6, 7, 8, ça diminue. 8, 5, pardon, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On a le fessier de la jambe statique en feu, c'est normal. Il est surcontracté pour venir nous équilibrer au maximum. Allez, même chose, on relâche bien au niveau des hanches. On vient un petit peu tirer vers l'arrière, vers l'avant, on relâche. Ok, basculez sur la jambe droite. Jambe droite légèrement fléchie. Tout le poids du corps est sur la jambe droite. On doit pouvoir lever la jambe gauche, tenir en équilibre. Et on est parti en élévation latérale. Et 1, 2,
4. Restez gainé pour votre équilibre. Restez le plus stable possible. Si vous avez le nombril tiré vers la colonne vertébrale, c'est toujours plus facile de récupérer un déséquilibre. Le pied tourné vers l'intérieur toujours. Allez, encore 6. 5. 4. 3. 2. 1. Montez 3 temps, descend un temps. Et 1. 2. 3. Reviens. Posez à peine le pied au sol si nécessaire. Normalement pas. Reviens. 3. 2. 3. Reviens. 4. 2. 3. Reviens. 5. 2. 3. Reviens. 6. 2. 3. Reviens. 7. 2. 3. Reviens. Et 8. 2. 3. Reviens. On inverse. Montez 1. Redescends 1. 2. Et 3. Et 2. 1. 2. Et 3. Pieds vers l'intérieur. 3. 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, courage, on s'accroche, 6, 1, 2, 3, serrez les abdos, 7, 1, 2, 3 et 8, 1, 2, 3, le dernier, 45 degrés derrière. Allez, on s'accroche. Cette fois, le pied peut tourner vers l'extérieur. 5, 6, 7, 8. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, top pour les fessiers. Allez, courage, ça diminue. Vous pouvez retirer les lestes. On souffle à nouveau. Hop, on respire bien. On s'accroche. On récupère. On pense à bien s'hydrater si nécessaire. Allez, on a presque fini. Il nous reste un petit peu de gainage, bien évidemment. Commencer, je vais reculer pour avoir. Ah. On vient se placer en gainage frontal face au tapis. On appuie sur les coudes. On crochette au niveau des orteils. Serrez les abdos, serrez les fessiers. Soufflez, montez. Allez, on est parti pour 1 minute. 1 minute où on va bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Pensez à basculer le bassin en rétroversion, donc le pubis vers le sol, je serre les fessiers, je tire le nombril vers la colonne vertébrale, ça fait légèrement arrondir le haut du dos, c'est tout à fait normal. Allez, on respire, on souffle, on s'accroche. Allez, on a passé la moitié. Soufflez toujours bien. Bassin toujours en rétroversion. Nombril tiré vers la colonne vertébrale. Allez, courage, ça diminue, c'est pas le moment de lâcher. On tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez directement. On vient se placer en gainage latéral. On vérifie qu'on est bien aligné, pieds, hanches, épaules. Les deux pieds l'un au-dessus de l'autre si vous voulez que ce soit plus difficile. Si vous avez des petits soucis d'équilibre, vous pouvez placer vos pieds l'un devant l'autre. Ça vous laisse une surface plus grande en contact avec le sol et donc c'est légèrement plus facile. On tire le nombril vers la colonne vertébrale, on souffle, on est gainé et on monte en gainage latéral. Allez, on est en statique pour le moment. On tient 1 minute.
Allez, il y a du soleil, un tapis, de la musique, on pourrait presque se croire à la plage. Allez, on s'accroche. Allez, on souffle. Toujours en tirant bien le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on sent, mais on a tous les obliques là, les poignées d'amour qui sont bien bien contractées. Parce qu'il y a en dessous des poignées d'amour qui est contracté. Les poignées d'amour, on vient les pulvériser. Allez, on s'accroche, on tient encore. On souffle, il reste moins de 20 secondes. Respirez encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On ne perd pas de temps. On change de sens et même chose. Toujours avec les pieds l'un au-dessus de l'autre ou l'un devant l'autre. Et on est parti. Allez, même chose. Une minute. On souffle, on respire. On est quand même vachement mieux à bouger pendant notre séance de sport que de rester enfermé à la maison. Maintenant, on a un tout petit peu repris le boulot. Pour certains en tout cas, donc c'est déjà plus sympa. Allez, on respire, moi je check le timing, mais tout en gardant ma position. Pensez à bien basculer le bassin vers l'avant, serrer les fessiers, le nombril tiré vers la colonne vertébrale, on est gainé, les hanches elles montent. Imaginez qu'il y a un treuil qui vous tire vers le haut. Sauf que vous devez monter sans l'aide du treuil, bien évidemment. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allez, on enchaîne directement. Une petite feuille d'arbre qui m'est tombée juste dans l'oreille. Hop, on est reparti. En gainage sur les coudes. Et on vient balancer le bassin de gauche vers la droite. Alors, les hanches, elles restent à la même hauteur. Donc, elles basculent de gauche à droite. Mais elles ne montent et ne descendent pas. D'accord ? Donc, gardez bien le nombril vers la colonne vertébrale. On reste toujours aussi bien gainé. Et on vient vraiment basculer sur les orteils. Allez, on souffle, on tient. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On vient se replacer directement en gainage latéral. Et en tout, il y a 10 minutes de gainage, hein, je vous préviens. Bon, on a déjà fait une bonne partie. Presque la moitié. Allez, on est reparti. Et cette fois, on vient osciller vers le haut. Allez, on pense à bien souffler. On a toujours bien le nombril tiré vers la colonne vertébrale. On est gainé. Et le treuil, cette fois, vient me tirer de haut en bas. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Allez, on s'accroche, on tient. Encore 5, 4. 3, 2, 1, relâchez et changez de côté, même chose. Allez, on ne perd pas de temps à se placer, on est parti. Et même chose, je viens monter de haut en bas. Allez, les hanches ne retouchent pas le sol, hein. On reste bien gainé. Serrez les fessiers, serrez les abdos. On n'oublie pas de respirer. Allez, encore on s'accroche. On s'accroche et on tient. Il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allez, on vient se replacer directement en gainage sur les coudes. Allez, courage, ça diminue. On vient tenir une minute en statique. Allez, on respire. On l'a déjà fait. Si vous avez l'impression que ça chauffe plus que tantôt, c'est normal. Il y a la fatigue musculaire qui est là.
Vous avez dit qu'on travaillerait l'endurance musculaire hein, aujourd'hui. On a bien travaillé ça en variant les tempos. Et ici, en tenant sur la longueur. Toujours avec le bassin en rétroversion. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. On respire, on s'accroche. Allez, on tient. Respirez bien, on reste en planche. Allez, ça diminue, courage. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On ne relâche pas, on reste en planche et on vient basculer de l'avant vers l'arrière. Allez, toujours en respirant bien. Le bassin reste gainé et on vient pousser sur la pointe des pieds pour se propulser. Propulser, pas trop non plus, vers l'avant. Allez, serrez les abdos, on tient, on s'accroche. Ça diminue. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Allez, les petits courage, il reste moins de 5 minutes de travail. On revient basculer en planche latérale avec un toit ou sans, comme vous voulez. On vient monter ici en haut et on vient effectuer une rotation. Je contrôle, soufflez bien et ouvrez, inspirez bien à l'ouverture. Soufflez, reviens. Contrôlez le mouvement. Si c'est trop difficile, restez en statique, c'est pas grave. Allez, encore 10. 9. 8. 10, inspire, 9, 8, 7, 6, 5, allez on s'accroche, 4, 3, 2, 1, on termine. Et relâchez. Allez, 2 minutes, il reste. On vient s'allonger sur le dos. Ok, les jambes sont fléchies, les pieds sont bien écartés, largeur des hanches au sol. La jambe droite, donc le pied droit, vient se placer sur le genou gauche, devant. On vient placer les deux mains sur l'intérieur du genou droit. Donc, je répète, le genou gauche est fléchi, la jambe gauche est fléchie avec le pied au sol. La jambe droite est fléchie, le pied est venu se placer sur le genou gauche, entre le genou et la cuisse. Les deux mains sont sur la face interne du genou droit et sur l'expiration, soufflez bien, je vais pousser sur ma jambe droite avec mes deux mains et avec ma jambe je vais faire un mouvement d'opposition, donc je viens en fait fermer la jambe vers l'intérieur. On vient travailler en résistance
Et sur l'inspiration, vous relâchez. Soufflez, poussez les bras, la jambe droite, elle serre. Inspirez, relâche. Encore. Soufflez. Appuyez. Soufflez. Vous avez bien un mouvement de résistance de la jambe droite contre vos bras. Allez, on souffle bien durant la résistance. On pense à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez, serre. Inspirez, relâche. Soufflez, serrez. Et relâche. Encore 5 fois. Soufflez, serrez. Soufflez longtemps. Inspirez, relâche. Encore. Soufflez, serrez. Inspirez, relâche. Soufflez, serrez. Inspirez, relâche. Encore 2 fois. Soufflez, serrez. Inspirez, relâche. Dernière fois. Soufflez, serrez. Inspirez, relâche. Ok, les deux jambes viennent se replacer l'une à côté de l'autre. Les deux pieds sont au sol, les jambes fléchies. Même chose avec l'autre jambe. Donc la jambe droite reste au sol. Le pied gauche vient se placer en avant du genou droit. Donc le genou gauche bascule vers l'extérieur. Les deux mains sur la face interne du genou. Et même chose sur l'expiration. Mouvement de résistance des bras et des jambes. Donc on imagine qu'on va venir refermer la jambe gauche. Inspirez, relâche. Soufflez, serrez. Inspirez, relâche. Encore. Soufflez. Inspirez. Soufflez.